Marceau refait l'info sur Rire et Chanson. Tous les jours à la nuit, Marceau refait l'info. On commence avec ce couac lors du match de qualification France-Albanie. L'hymne de l'Andorre a été diffusé. Le speaker a ensuite présenté ses excuses aux supporters de l'Arménie. C'est honteux, Didier Deschamps. Oh, écoutez, l'Albanie, l'Arménie, l'Andorre, excusez-moi de ne pas connaître toutes les équipes de merde. Non, mais c'est pas grave, hein, pour une fois que c'est pas Hugo Lloris qui fait des bourdes. C'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Vous savez, on a connu pire. Ah bon? Ah oui, bien pire. Ouais, mm-hmm. On s'était pas trompé d'hymne, mais c'était la chanteuse Lame qui l'avait interprété. Oui, c'est vraiment bon, on est désolé. Désormais, pour choisir le DJ du stade, on ne sélectionnera que des anciens candidats de l'émission Facile à chanter. Donc, vous réitérez vos excuses quand même? Oui, effectivement, je demande pardon à nos amis lituaniens. La Moldavie est un si beau pays. En plus, j'imagine que dans la capitale, Bucarest, cette erreur a dû très mal passer. Donc, comme on dit dans leur langue, bah, excusez. Bonjour Bruno. Bonjour Kylian Mbappé. Mais à coup pas, effectivement, oui. On s'est trompé d'hymne dans le stade, mais au moins dans la chanson, pas d'enculé, ni de pédé, ni de tarlouse. Oui, c'est sûr. C'est quand même un gros progrès. Oui, c'est vrai, ça. Vous avez raison. Et bonjour, ici François Bayrou. Mais qu'est-ce que. Bonjour, monsieur Bayrou. Laissez-moi parler. Il y a longtemps qu'on le dit. Allez-y. Savez-vous, Bruno, que j'ai un nouveau poste? Ah oui. Oui, ah. J'ai été engagé depuis peu au Stade de France. C'est moi qui passe les disques. Et qui fait les annonces dans le micro. Ah d'accord, bon, on comprend mieux. Eh bien on me siffle moins qu'avant quand même. Économie, la deuxième compagnie aérienne française Aigle Azur, spécialisée dans les destinations du Maghreb, est en redressement judiciaire. Tous les avions sont désormais cloués au sol en attendant un repreneur. Madame Le Pen, oui. Alors que les gens ne puissent pas venir en France depuis le Maghreb, pas très grave. Oh. Et eux-mêmes, c'est une aubaine. Hein. Mais ceux qui sont venus, qui ne peuvent pas rentrer chez eux, c'est quand même un dommage. Hein. Du coup, si les avions ne peuvent plus venir du Maghreb, il n'y a pas que les avions qui volent plus. Oh. Voilà. Oh. Eh ben, voilà, ça c'est fait. Voilà. Bien, on va passer à Madame Schiappa. Bonjour. Bruno, bonjour. Oui, bonjour. Essayez de relever le niveau, mais c'est pas gagné non plus. Excusez-moi, mais j'ai pas envie de dire bravo. Si les avions de Aigle Azur sont cloués au sol, comment ils vont faire pour trouver un repreneur, par exemple, qu'ils ont les pneus crevés? Oh, merde. Ça, vous avez passé un bon week-end, Marlène? Qui est-ce qui va les réparer? Non, mais moi, j'ai des réflexions. Oui, ah bah, c'est le problème, c'est ça. Voilà. C'est les réflexions. Alors, je reviens dans mon texte. Oui, bah, allez-y, c'est terrible. Oui. Vous savez, comme le disait Aimé Jacquet Césaire, c'est pas possible, on trouve. Il disait tous les jours. Alors oui. Écoute, il disait. Oui. Écoute. Oui. Maman est près de toi. Il faut lui dire maman. Maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, vous avez lu Aimé Jacquet Césaire aussi. Ah, aussi. Le sulfuremaire de Levallois-Perret, Patrick Belkany, toujours en attente du résultat de son procès, a été agressé dans sa commune. Les deux hommes ont été retrouvés et jugés aujourd'hui en comparution immédiate. Oh là 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 là. Bah oui, dites donc. Monsieur Robles, heureusement qu'on peut faire confiance à la justice de ce pays. Enfin, hormis quand elle est contre moi. Oui, bah ça, tu as compris, oui. Enfin bon, je me remets doucement de cette agression terrible. Ouais. Terrible. Mmh. Figurez-vous que... Excusez-moi. Je vous en prie. Les deux assaillants... Oui. Non, je suis encore sous le coup de la violence de l'événement. Bah oui. Les deux assaillants, sur Robles, ils m'ont brandi... une arme, un couteau, une matraque. Une feuille d'impôt. Ils me l'ont tendu, là, était sous mes yeux. J'ai eu peur. Je comprends. Oh, j'ai eu très très peur. Je comprends. Même M. Sarkozy. Non, mais vous avez vu, depuis que je suis plus président, avec 5 ans du petit gros tout mou. Hein, et 2 ans de louveteau futé, vous vous rendez compte dans quel état se trouve notre pays? Il y a même de l'insécurité à Levallois-Perret. Ça fait peur, hein. Oui, c'est tellement la jungle, du coup ils vont changer de destination pour le prochain Koh-Lanta. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Et bienvenue dans cette nouvelle aventure redoutable, Koh-Lanta-Perret. Dans la jungle des Hauts-de-Seine, dans la jungle hostile, il va falloir survivre. Ouais. Des passants sans vergogne, capables de vous interpeller. Monsieur le maire, vous seriez pas un peu en train de vous foutre de la gueule du monde? Vous invectivez. Permettez-moi de vous dire que vous êtes malhonnête, voire même de vous dire des gros mots. Hé, paye tes impôts. Marceau refait l'info tous les jours en exclusivité sur Rire et Chanson. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Eh bien, il y a d'autres vidéos ici, 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 et vous pouvez même vous abonner ici.